Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du master Affaires publiques spécialité sécurité défense de Sciences Po. Et pour ça je suis accompagnée de Constance pour nous en parler. Salut Constance. Salut. Constance, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors je m'appelle Constance, j'ai 21 ans et je suis étudiante en master 1 Affaires publiques sécurité et défense à Sciences Po. Constance, est-ce que tu peux nous présenter dans les grandes lignes ce master? Ouais, alors c'est un master qui fait partie de l'école d'affaires publiques de Sciences Po, qui donc nous prépare au concours de la fonction publique et qui a un petit focus sécurité et défense, ce qui forme les étudiants aux enjeux de l'action publique en termes de sécurité et de défense. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours à toi depuis le lycée jusqu'à aujourd'hui? Ouais. Alors moi je voulais absolument faire Sciences Po depuis que j'étais au lycée, j'ai préparé le concours en première et terminale, je l'ai passé et je l'ai eu sur le campus de Paris. Ça s'est testé une fois. Et du coup je l'ai eu à Paris, première année, deuxième année, troisième année on part à l'étranger. Et ensuite on est inscrit de droit en master à Sciences Po, donc on a juste à choisir ce qu'on veut faire. Et pourquoi est-ce que tu as choisi d'intégrer ce master-là et pas un autre? Alors, quand je suis arrivée à Sciences Po, j'étais intéressée par plein de choses. Du coup, j'ai fait des stages différents, des assos différents, des cours différents. J'ai beaucoup hésité. Au début, je voulais aller faire de la com, ensuite du cinéma. Et je suis partie en troisième année à l'école militaire suédoise avec laquelle Sciences Po a un partenariat. Et grosse révélation. Et du coup, c'est là que ça m'a confirmé dans ma voie et que je me suis rendu compte que c'était une bonne intuition que j'avais et que je voulais me spécialiser dans les questions de défense. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans ce master. Et est-ce que tu dirais qu'il y a un profil type pour intégrer ce master? Alors oui et non, parce que on est en grande partie des étudiants issus du bachelor de Sciences Po, donc qui ont déjà fait 3 ans à Sciences Po. Et donc on s'intéresse à plein de choses, dont la défense, et on s'est orienté vers ça. Ensuite, il y a des gens qui arrivent directement au master, donc qui ont pour le coup soit des licences de droit, des bachelors d'autres IEP, des licences d'économie, enfin plein de sciences sociales différentes, et même des ingénieurs, enfin tous les profils sont ouverts et Sciences Po est vraiment assez ouvert à recruter des gens qui n'ont pas le profil Sciences Po. Mais simplement, il y a un intérêt forcément qui est commun à tous les étudiants et les gens qui arrivent en master directement sont souvent des gens qui ont des intérêts très marqués, beaucoup plus que ceux qui viennent de Sciences Po. Et concernant les matières, quelles sont les matières que vous étudiez concrètement? Parce que j'entends sécurité et défense, mais qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un tronc d'affaires publiques qui va donc nous préparer à des questions générales de politique publique, que ce soit en économie, en évaluation des politiques publiques, en droit. Et il va y avoir des matières de spécialité qui sont donc obligatoires et généralisées à tout l'ASP. Il va y avoir de l'économie, de la défense, de la finance, de la défense, politique de défense, donc à quoi ressemble l'armée aujourd'hui, comment on gère l'armée, quels sont les enjeux des militaires en France. Il va y avoir des cours sur la lutte antiterroriste, voilà, plein de choses qui expliquent quels sont les problèmes et les enjeux de la sécurité et de la défense aujourd'hui et qu'est-ce que les représentants de l'État, on va dire, sont amenés à rencontrer. Et de ton côté, quelle est ta matière favorite ou quelles sont tes matières favorites? Alors moi, c'est pas très original parce que c'est le cours star de mon master, mais c'est le cours de lutte antiterroriste qui est fait par Bernard Cazeneuve et qui, du coup, en plus de son expérience en tant que Premier ministre et ministre de l'Intérieur, nous ramène des invités extrêmement pépites. Donc c'est mon cours préféré. Il nous a ramené François Hollande. Ah oui. Voilà, pas de présentation nécessaire. il nous a ramené le directeur général de la sécurité intérieure, donc le DGSI. Il nous ramène des gens qui travaillent aussi dans les offices, enfin dans les bureaux qui gèrent l'immigration, qui gèrent les cultes en France. Donc plein de choses assez variées et toujours très intéressantes. Et au niveau de la charge de travail, est-ce qu'on travaille beaucoup dans ce master? Je pense qu'on travaille beaucoup parce que donc c'est un peu relativement petit master pour Sciences Po, on est une centaine et on veut tous les mêmes choses, on aime tous les mêmes choses. Donc c'est sûr qu'il y a une grosse ambiance de travail qui se développe et assez compétitive, il y a beaucoup de mecs. Donc forcément ça pousse un peu à beaucoup s'investir. Maintenant,
moi, je pense que tout est fait pour que tout se passe bien et qu'on valide une fois qu'on a passé le concours, qu'on a prouvé qu'on avait notre place. Donc, c'est un peu à la discrétion de chacun. Je pense qu'on peut s'investir juste pour valider, travailler les rendus qu'on a et le partiel et fin d'histoire, ou on peut travailler toutes les semaines, faire les lectures supplémentaires, faire des stages à côté. Donc, c'est vraiment... chacun fait son parcours dans ce master. Maintenant, c'est vrai que c'est tellement spécialisé qu'en fait, la plupart des gens sont à fond et travaillent quand même pas mal. Et concernant les évaluations, comment est-ce que vous êtes évalué ? Alors, à Sciences Po, en général, il y a énormément de contrôle continu. Donc, ça s'inscrit là-dedans. On a pas mal de QCM tous les 3-4 séances pour vérifier qu'on est bien à jour. On a beaucoup de travaux de groupe à rendre, où du coup, on va vraiment se concentrer sur une thématique abordée dans le cours, en faire un rapport de 20 pages et le présenter au reste de la promo. Donc, c'est un peu nous qui contribuons au cours aussi. C'est assez caractéristique de Sciences Po. On a des amphis, mais on est aussi amené à être un peu acteur du cours. Et c'est aussi un moyen de découvrir des thématiques qui nous intéressent sans qu'on le soupçonnait forcément. Enfin, moi j'ai été amenée à bosser sur la dissuasion nucléaire, et grosse révélation, alors que bon, c'est pas très sexy. Il y a beaucoup de révélations quand même. Enfin. Ouais, ouais, je suis vraiment éclairée comme femme. Mais ouais, t'as beaucoup de sujets qui ne t'intéressent pas de base, et vu la diversité du master et vu la diversité des profils qu'il y a dans le master, t'es amenée à bosser sur pas mal de trucs que t'as jamais vu avant. Donc il y a toute une part de contrôle continu un peu tout au long du semestre, et on a des examens finaux aussi, comme dans toutes les facs. Mais on peut quand même avoir une sorte de vie sociale à côté de ce master. Ouais. Sciences Po met quand même pas mal l'accent sur l'engagement des étudiants en dehors de leurs cours. Donc on a une vie associative qui est super riche. Ouais, donc on a quand même pas mal de possibilités de monter des projets. C'est quelque chose que Sciences Po favorise pas mal. Donc il y a des grosses assos. Moi je suis impliquée dans l'association d'art oratoire qui s'appelle Sciences Polémiques, qui est vraiment géniale et qui m'a apporté beaucoup de choses. Il y a aussi l'association sportive, il y a une asso évidemment sur la défense, il y a des assos pour absolument tout et n'importe quoi, vous pouvez même créer la vôtre. Donc il y a beaucoup de possibilités d'avoir des projets. Et au niveau des stages, est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il y a peut-être de l'alternance ? Alors, c'est un peu le défaut de Sciences Po, et c'est ce qu'ils essayent d'améliorer un petit peu au fil du temps, c'est que la plupart des expériences professionnelles que tu vas avoir, c'est sur la base du volontariat. Sur les deux années de master, tu peux totalement faire des stages à temps partiel en plus de tes cours, des stages l'été et faire une année de césure, mais c'est complètement à la discrétion des étudiants. Tu peux faire ton M2 en apprentissage, t'es encouragé, t'es mis en lien avec des recruteurs, etc. Mais encore une fois, c'est complètement sur la base du volontariat. Et la seule chose qui est obligatoire, c'est ton dernier semestre de master, donc ton quatrième semestre, où là, tu peux choisir de faire un stage ou un échange à l'étranger ou un mémoire de recherche. Donc là, t'as l'opportunité un petit peu plus de faire un stage. Mais sinon, encore une fois, tu peux totalement valider ton master sans jamais travailler. Ok, super. Et du coup, toi, est-ce que tu sais ce que tu feras l'année prochaine ? Ouais, alors l'année prochaine, je vais faire une césure, comme le veut la tradition. Je vais commencer par un stage de 6 mois au ministère de l'Intérieur, et après on verra ce que je vais trouver. Il y a plein de possibilités, il y a des missions de défense en ambassade qui peuvent nous accueillir, ministère de l'Intérieur, ministère des Armées, les différents bureaux de l'armée, les différents bureaux de police, de gendarmerie, même dans le privé, les constructeurs, les industries d'armement, il y a plein de choses à faire. Et concrètement, une fois qu'on est diplômé de ce master, quels sont les débouchés possibles ? Alors, il y a deux grandes voies qui s'ouvrent aux étudiants d'affaires publiques, et c'est soit aller dans le privé ou aller dans le public. Pour aller dans le public, la voie royale, c'est les concours. Donc, quand on est étudiant en master à Sciences Po, on est inscrit de droit dans la prépa de Sciences Po qui prépare la quasi-totalité des concours de la fonction publique. Donc, on peut faire la prépa en parallèle du M2 ou bien après. Et on choisit les concours qu'on veut faire, donc c'est mieux s'ils sont un peu cohérents. Évidemment, l'ENA, INSP maintenant, est le plus populaire, mais il y a aussi DGSE, Assemblée nationale, Sénat, École régionale d'administration. Enfin, il y a plein de choses à découvrir, et il ne faut surtout pas se fermer de portes. Si jamais on décide de ne pas faire les concours ou que malheureusement ça ne fonctionne pas, on peut toujours travailler dans le public sur contrat. Donc souvent, c'est des contrats de 4-5 ans, et après, le mieux, c'est de passer les concours en interne, mais c'est d'autres méandres, ou alors d'aller dans le privé, puisque maintenant il y a beaucoup de fonctions
de l'État qui sont externalisées et qu'on peut faire dans le privé, donc avoir des conditions de travail parfois un petit peu mieux, on est un petit peu mieux payé, on peut plus facilement changer, etc. Et du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui sont employées par l'État en fait pour faire les mêmes tâches qu'elles. Donc si on décide de travailler dans le privé, là encore, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Évidemment, les plus connues, ça va être tout ce qui est industrie d'armement, type Thales. Sinon, les grandes boîtes, par exemple EDF ou les grandes boîtes de luxe, type Hermès, ont des directions sûreté qui sont là pour assurer la sécurité des activités de la boîte. Il y a aussi des boîtes qui sont dédiées à la gestion de crise, à l'anticipation des risques, pour d'autres clients, publics ou privés. Donc, il y a vraiment une myriade d'acteurs. Et parmi tous ces champs des possibles, qu'est-ce que toi, tu aimerais faire ? Alors, moi, j'aimerais travailler dans le public. Et quand je suis arrivée dans ce master, je me disais que j'adorais tout ce qui touchait au Moyen-Orient, que j'étais passionnée de conflits extrêmement compliqués. Et en fait, c'est assez commun dans le master. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en se disant qu'ils veulent travailler sur la zone proche du Moyen-Orient. Et donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on est exposé à vraiment énormément de parcours différents, énormément d'acteurs différents. On a des militaires qui nous font des cours, des civils, des gens qui travaillent dans le public, dans le privé. Et on se rend compte que des choses qu'on n'attendait pas forcément peuvent nous passionner et nous intéresser professionnellement. Et c'est pour ça que maintenant, je pense que je vais tenter des concours un petit peu plus généralistes et voir ce qu'il en ressort. Et en fait, c'est surtout ça l'utilité du master, c'est ne pas se fermer et de se rendre compte que dans un thème précis, en fait, il y a des tas de choses à faire et qu'on va pas du tout avoir une carrière... On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Constance, est-ce que tu aurais un dernier mot ou des conseils pour les personnes qui souhaitent intégrer ce master ? Alors que vous passiez le concours en master ou que vous arriviez depuis Sciences Po, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à aller à fond dans le domaine. En fait, c'est un domaine, donc la sécurité et la défense, qui va... susciter beaucoup de fantasmes. On regarde le bureau des légendes, on se dit ça a l'air génial, on va faire ça. Et donc je pense qu'il faut pas hésiter à creuser très tôt ce à quoi ça ressemble vraiment, quels sont les acteurs, quelles sont les institutions. C'est extrêmement riche et faut pas hésiter à vraiment plonger dedans et à se dire que pendant 2 ans on est à fond sur le thème et qu'il y a plein de choses à lire, plein de choses à voir, à écouter. Justement, faut pas aussi hésiter à plonger très tôt dans le bain. Il y a énormément de podcasts qui parlent de sécurité et de défense. Une fois que vous en avez trouvé un, vous en avez trouvé 10. Donc, hésitez pas à vous cultiver, en fait, de manière générale sur ce domaine, parce que le cours ne vous donnera pas tout et le master ne vous donnera pas tout. Et vous serez avec des gens qui sont extrêmement calés parfois sur des sujets. Donc, hésitez pas à tout de suite rester ouvert et découvrir. Et en même temps, vous aussi, aller vers les sujets qui vous passionnent. N'hésitez pas à vous spécialiser. Il y a plein de sites qui vous proposent de poster des articles, de commencer à écrire des choses. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre les choses en main. Bah écoute, c'était hyper intéressant et tu as l'air de beaucoup aimer ton master, Constance. Je te remercie pour tes réponses. Je remercie également de nous suivre à chacune de nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Toti et à laisser un commentaire. Salut !